T'en as marqué, hein. Alors, le truc un petit peu particulier ici, c'est que quand on croise quelqu'un, en général, il répond pas. Alors, on a rencontré les Ukrainiens ce matin au petit déjeuner. Et bah, par exemple, là, je pense que tout à l'heure, on s'est croisés, mais pas dit bonjour. Comme ça. On a rencontré des Ukrainiens ce matin qui ont dit bonjour. Du coup, Deborah, elle les a même pas entendus. Parce que trop l'habitude de dire bonjour, enfin hello, et que personne réponde. Hello. Où on va dormir. Il fait nuit, donc on se à 4h30, il fait nuit, donc on va aller vite profiter de la. Voilà, je vous couvre comme ça pour pas que vous preniez la pluie. Hein. Tu lui as lancé trois défis. Il y a slide. Slide et glisse. Ouais. Bar spin, c'est faire ça. Ok, en sautant donc. Ouais. Et tailwheel, c'est de faire ça. Donc tu dois arriver à faire ça en combien de temps? Pendant le trajet? Non, avant le voyage, je dois réussir à faire ça. Avant le voyage? Avant la fin du voyage. C'est 360 chevilles. Alors explique ce que c'est. Bah, c'est comme un chevilles. Je vais faire ça, mais tu peux le faire 360. Comme ça, après, je pourrais faire un très flip et tu rajoutes un ça, c'est flip. Ça, c'est du voyage. Ou alors un impossible. Un impossible, ça me semble être un bon défi, mais je sais pas ce que c'est. C'est une figure, en fait, tu fais un 360. Ouais. Enfin, tu lances comme ça, et dès que et en fait, avec ton pied, tu vas plus pousser. En gros, c'est ton pied avant reste sur la planche et la fait tourner. Ok. C'était dans le dictionnaire. T'as vu, c'est une exposition en dessous de la rivière, c'est sympa ça. Et il y a le même système que, t'as vu, à Paris. Ouais, elle risquait de tomber, mais je crois pas qu'elle. Il y a vraiment des images de vidéos où tu vois la barrière tomber dans l'eau. Au soleil, tu peux devenir aveugle. Bah ouais, mais comme on va pas trop regarder le soleil ces prochains jours, à mon avis, profitons de le voir. Là, il vient juste nous dire qu'il existe encore. T'as vu, papa? J'ai vu une photo où t'as ça donne une belle lumière sur ton visage. Plein de gens qui sont comme ça. Et à la fin, on regarde en plan sur le soleil, on voit le soleil, il a une casquette et il est comme ça. Hey, ça c'est un bon endroit pour faire du skate, non? Oui, parfait. Vas-y, fais-moi. Maintenant, je peux pas se mouiller. Ah, c'est pas se mouiller? Ouais. Ok. C'est un peu comme le Paris-Roubaix du skateboard. Mets la trotte. Là, je peux essayer? Si, mais laisse-moi essayer. Mais laisse-moi essayer. Un skatepark, on trouve un théâtre. Hello. Hello. Do you speak English? Yeah. We are looking for the skate park. Where are you from? From Switzerland. Okay, you're living here? No, we're just around and we would like to make some skateboard. How you entered here? From the other side. It's from Berlin, actually. Sorry, because we were looking for the skate park. Bon, bah en fait, il y avait un restaurant, un théâtre, une salle de concert, mais plus du tout de skate park. Il semblerait que le skate park est à plus de 50 minutes, donc pas kilomètres. Mais... Donc du coup, je pense qu'on va devoir laisser tomber.